Alors les gars, l'hôtel sur Google, pas mal. Putain, pas mal, hein, pas mal. Et... Est-ce qu'on se lave les dents? Donc vous êtes sûr qu'on remballe tout? On risque de revenir dans cet hôtel ce soir, je pense. Hein? Bon. Ben je change de place, moi, j'en ai marre. Hein. Je veux plus être dans le courant d'air. Hein. Ouais, moi non plus. Hein. Tu décaleras, je décalerai avec Daniel. T'as vu ce qu'il a fait encore? Hein, il a pris la chambre privée au fond. Ah ouais. Et Daniel. Hein? Daniel, ça. Formidable. Oh là. Daniel, t'aurais aimé. On est pour le dos. On est perdu là. Dormir sur des lattes en bois, c'est excellent. Oh, regarde un peu. Un copain. Un copain. Ils sont pas très gros, hein. Et où tu vas, Jeannot? Je vais faire une petite commission. Alors? Ça, c'est les toilettes? Partout. La maison elle fait combien là à peu près? 1m50 sur 1m50. Hein? 1m50 sur 1m50. Voilà. Ah, t'as du bol, Jeannot, hein. Ta chambre elle est garnie. Bonjour. Lolo a réservé la salle de bain. La lentille, si je la loupe, je sais pas où elle est là. Eh hey Lolo, t'arrêtes de draguer les filles un peu? On est où sur la carte là, Daniel? Y a Jeannot qui achète des bonbons. Pas pour donner aux enfants, hein. Pour sa gueule. Hein. Nous on n'en verra même pas la couleur. Salut Lolo, c'est nice. Alors? Les gâteaux qu'il vous faut. T'as 250 paires d'yeux qui te regardent. Ça se prépare, Lolo? J'aime pas quand on me regarde. T'as bien dormi, j'espère. D'après Stéphane et un de ses potes marseillais, je crois, ce midi on est à Maroulambe et ce soir à la plage. On verra.
voulez faire ça de nuit? Eh, je crois qu'on a bien fait de dormir là-bas. Hein. Ah, je pense aussi, parce que pour un départ, c'est un peu chaud. Hein. Putain, c'est plus dur quasiment que ce qu'on a descendu. Hein. Ah bah, enfin, ça tenait, hein, ça tenait ce qu'on descendait dans la forêt là. Le Vasa, il s'arrête pas. Allez, Vasa, hein. Et vous avez besoin d'être à combien pour vous sortir de là? Pour les malgaches, c'est simple. Ils sont à pied. Deux troncs d'arbres dans la gadoue et on passe. Pas passer sur le pont à droite. Juste après, il y a une petite marche. Sur Google, on voit bien la piste. On voit bien les rivières. Mais les bourbiers et les petits gais, que dalle.
Et je la monte. Hop hop. Jeune qui est passé devant, il en avait jusque au-dessus du genou. Ça devrait passer au cas où on prend la pirogue. C'est pas bien pour le moteur. On va prendre les pirogues. Non mais j'avais pas une cuillère bouchée moi tout simplement. J'avais pas une cuillère bouchée, c'est la bouche d'Aniel là. C'est ça aussi hein. On prend la pirogue. Et mousse, on se tire une bourre. Pas trop loin. Oh. Encore. Allez. Ah, comme d'habitude, premier l'Indien, deuxième mousse, derrière c'est la cata. Et Wi-Fi disqualifié. Qu'est-ce qu'ils font là? Hein? Ils font quoi? Bah, c'est des gens qui boivent beaucoup d'eau. Ah, ça c'est. Voilà. Ça c'est pas. Boire bien. De l'eau à table, mais pas. Daniel, le raid qu'on avait fait avant. Un truc de tapette. Je sais pas où on va là. Bon, la prochaine fois, Guy. Tu fais comme le vélo, hein, s'il te plaît. Regarde comment c'est facile. Hein? Bienvenue au VVF numéro 5. Plus les villages sont beaux, plus ils sont pauvres. Dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent de la tôle ou du plastique bleu. L'horreur. Mais on cherche une brasserie. Mais on s'est trompé, là on est avenue Kléber.
c'était à droite, au café du musée Branly. Bon les gars, il vous a pas emballé le menu gastronomique? Tout le monde jette. C'était difficile quand même. Hein ouais. Pourtant, tu as les belles photos derrière, Daniel. Ouais. Niveau du... Regardez Lolo. Lolo, il a tout mangé. À mon Lolo. Super. Super. Allez, qu'est-ce que tu dis à Daniel là? T'as bien fait de rester. On est où là? Je sais plus quoi dire. Je sais plus où on est. Je sais plus qui je suis. Et Maroulan, cette espèce de d'Éden dont on parle depuis 3 jours, il est où? Où est Maroulambe? On devait faire ça en une journée. Et demain, on est au 3e jour, c'est pas sûr qu'on y arrive. Voilà, donc c'est terminé, j'arrête les raids. Ça fera des vacances à Guy si t'arrêtes les raids. Hein Guy? Ça fera des vacances. Et là, on est à Mandobé. On ne peut pas aller directement à l'est, on prend le sud. On fait des tours. On va arriver dans le monde. Enfin, on va arriver à Maroulan. De quand? Demain? Je crois, oui. Pourquoi tu me regardes? C'est pas sûr. C'est toi qui es au quai du pays. Moi, je suis un googliste. Durant un passage de guet, nous allons rencontrer un groupe de malgaches, avec dans une couverture un mort, porté par 2 hommes façon trophée de chasse. La suite en images. Donc là, c'est un peu. C'est là d'avoir un bâton à vous deux à moins haut là. Hein? De ce côté-là, de côté de Guy, un vous deux qui s'est mort. Le mort est posé en haut, dans le fossé. Ça discute, ça parlemente, ça fait des plans sur la comète, mais ils vont quand même bien nous aider. Il est impossible de traverser le guet rempli de boue avec la moto. Déjà à pied, on a énormément de mal. Les malgaches vont trouver une solution. Pas très bonne. Ils viennent d'enlever le tronc d'arbre. Ils viennent d'enlever le tronc d'arbre qui était ici. Et on va le mettre dans la gadoue pour pouvoir passer. Ils sont intelligents, ces malgaches. Pour l'instant, on n'a même pas passé une. Hein. Il y en a 5 à passer comme ça. Oh. Ah, ils ont peur. J'en dois démarrer. Ah ouais, coco. Avec les remerciements de Jeannot,
c'est sa spécialité. Ah, il est repeint, le pauvre. Enfin, c'est fini. Un cinquième du boulot est fait. On a décidé de remettre la poutre à l'endroit initial, mais un mètre plus bas. Mousse, Lolo, il s'est reconverti en conducteur de travaux. Ouais, voilà, ok. Là, ça penche encore. Là. Ça penche. Non ? On a une nouvelle technique. On a descendu la poutre. Et les gars, ils maîtrisent. Ils savent même où est l'embrayage. Il la démarre même. Pour eux, c'est la fête. Pas pour nous. Enlève la vitesse. Aucun commentaire. Enfin si. La gentillesse à l'état pur. Merde, pousse! Hein? Et fais attention, hein, ça glisse sur le pont. Hein. Fais gaffe, c'est dangereux sur le pont. Hein. Avec lui, voir combien il faut donner. Le truc, c'est qu'on a que des gros billets. Hein. On donne combien? Je sais des pas. Gros billets, qu'est-ce que t'appelles des gros billets? 10. Les 10, hein. Bah, non, 10, donc on en donne plusieurs. Hein? On en donne plusieurs. Pour partager, le problème, c'est pour partager. C'est débrouillant. Moi, je débrouillais, mais. Ouais.
Et on peut donner. C'est combien un billet de 10 là? 3 francs. 3. Hein? 3. 3 euros. Putain. 22. 3 3 4 5 3 4 là. Attends, ouais. Ah, ils nous ont bien aidé, ouais. Attends, on donne 5 billets. Non. Je vais donner 5. J'en ai là. T'as, j'ai, c'est loin. T'en as? Ouais. Merci. Ouais. Et Tintin, heureusement qu'il y a des gens de gauche hein, pour donner un peu plus. D'ailleurs, Jeannot, il a pas payé. Ah ouais. Il y a encore des difficultés après, il dit. Merci, monsieur. Merci, hein. Allez, hein. C'est bon, ça va. Ça va. Touch. Massou, hein. Ouais, exactement, ouais. Ça marche. Ok. Allez, amusez-vous bien avec ça. Hein. Ouais. Pas trop de tocagas. Pas trop de tocagas. Bonne chance, hein. Tocagas. Il y a un gué, une rivière, un bourbier à passer. C'est usant. Et il fait chaud, très chaud. J'avais prévu des étapes de 150 km environ. Je sais même pas si on va en faire 30 aujourd'hui. On n'est pas arrivé dans le sud. Donc voilà. La piste s'arrête là. Bon, c'était prévu, hein. Donc on va traverser ça en pirogue. Passage des rivières, on n'a qu'une seule chose à faire. On apporte la moto, après ils choisissent une ou deux pirogues. À l'unanimité, on préfère deux pirogues. Voilà, la deuxième est chargée. Rapide. Et le pire, ils savent même pas, mais en fin de compte, c'est une rivière avec de l'or. Regardez les pépites. On les voit, les pépites qui brillent. On va se faire des couilles en or. Hey Jeannot, pourquoi tu vas pas ramer? T'as pris une assurance? Merde!
Mousse, pour la traversée, il vaut mieux prendre l'assurance quand même, non? Salut Lolo! J'assume les raisons qui nous poussent de changer de cours. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie. Merde, elle était sèche. Est-ce que là, elle était sèche? D'un pas alerte, le Daniel. Humide. Hein? Et humide. Et t'as pas intérêt à leur piquer la moto. Hein. Ils adorent pousser. Génial. Bon bah là c'est le dernier bourbier qu'on filme, hein. Parce que là il fait trop chaud. C'est la chaleur qui nous flingue. Tu te mets dans le cours d'eau. Avant chaque passage de guet, ça discute. À gauche, à droite, à gauche. Journaux a pris à gauche. Moi, je vais prendre à droite. Je suis obligé de censurer Journaux.
il devient vulgaire. Lolo, troisième. On va reprendre la trace du début. Il y a plus d'adhérence. Voilà, joli. Wow. Bah alors. Bravo. Puissance, bravo. Allez, tu la refais. Heureusement qu'il y a des jeunes, hein, Daniel. J'ai même pas honte de faire passer ma moto. Ouais, t'as raison. Où est-ce que tu l'as mis, ton ego? Ouais. Ouais. À Toulouse? Il est là ou pas? Ouais. Tu mets pas ton casque? Si les gens ont, quand les traces sont faites. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Salam. Salut Dadabé. Salam. 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 Donc voilà, bah Jeannot il crève quoi, sur le bord de la route quoi. Faire chier quoi. Heureusement qu'il y a un peu de paysage quand même. They moved on to the next mo who flows, he knows, dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds, I suppose, his old partner. But the beat goes on, da-da-dum-da-dum. You better lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. Encore une traversée de rivière. Nous allons bivouaquer dans le village. Le pont a été détruit durant un cyclone. C'est parti, enfin, ouais, là, c'est bon. La technique est simple. Tu fais faire un tour complet à la pirogue,
était de l'autre côté de la rivière. Très bonne technique, hein. Uniquement avec un petit bâton. Voilà, juste un bâton. Le village qui nous a sauvé la vie. Enfin, on ne sait pas encore. Parce que là, c'est le marché, mais on ne sait pas ce qu'il y a à vendre. Donc on a trouvé de l'essence dans un petit village. On a trouvé 20 litres. On va pouvoir continuer. Voilà. On a trouvé une piole avec des matelas en foin. Oh, ça monte. Donc voilà ma piole. Et puis Daniel est juste à côté. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. C'est juste le lit. Hop là. C'est tout. Bon, bah maintenant on va aller se baigner. C'est l'heure du lavage ? Oh, t'es sûr ? Voilà les deux petites tapettes. Hein, ils se retrouvent comme il y a 30 ans, quand ils étaient au lycée. On va pas pouvoir mettre ça sur la vidéo. Il y a des filles. Chut. Donc on vient d'acheter une nouvelle piscine. Hein, on achète des piscines tous les deux ans. Et Daniel, t'aurais dû venir, on a trouvé, à sans déconner, trois tridents clomètes avec une piscine, 60 mètres d'eau et des gros cailloux dedans. Et des crocodiles derrière, regarde derrière, il y a un petit croco. C'est fraîche ? Un peu. Voilà le paysage. Là, le problème, c'est que c'est une maison en bois. Je sais pas si vous voyez, à l'intérieur, il y a du feu. Une maison en bois et en paille. Et ça, c'est dans la maison, hein. C'est pas l'extérieur. Il faudrait presque demain matin avant de repasser. On prend la pirogue. Non, je vais dire une connerie. Mais t'as pris le Tokioki, non ? Super, tu m'entends ? Super. Je suis resté une demi-heure, j'ai dit ils vont arriver. Il y a un spot, mais... Ouais, t'étais là-haut là. Ouais. Et je vous voyais, ah, c'est beau. Et je vous voyais tout monter avec le village. Ouais. Et avec le village. Ouais. Comment en... Contre-champ. Ouais. En contre-plan. En contre. En contre-jour. Non, le marché ils sont tous partis là. Bon alors là, on est arrivé où là ? Maroulambe. Non. Encore à Maroulambe. On est à Maroulambe. Non, on a un guide, il fait rien, il nous guide pas. Ah, c'est de pire en pire, le restaurant est de plus en plus. Le restaurant est de plus en plus petit. Attends, il y a voilà. Hein ? Éclair de l'autre côté, Daniel. Voilà. Daniel, la nourriture ? La serveuse est de plus en plus belle. Hein ? Et cette année, on a des copains avec nous. Hein. Regarde, avec Claire là-bas, les gars. Pris par la patrouille, à 2,5 g. Ah ouais.